Je vous souhaite à toutes et tous un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre ainsi qu'une magnifique année 2024. Que tous vos projets, vos rêves, vos désirs se réalisent. Et je vous souhaite surtout une bonne santé. Je vous embrasse tout fort et on se retrouve l'année prochaine. À très vite. Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver, eh bien, pour ce dernier message de cette année, le dernier message de ce mois de décembre. Nous sommes le vendredi 29 décembre 2023. Vous savez que je termine le vendredi avec vous. Eh bien voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je ne sais pas le pourquoi, mais aujourd'hui j'ai pigé, tout va bien, et dans les petites prières, courage. Donc voilà, je trouve que j'ai pigé une belle carte et aussi pour avoir du courage, tout va bien. Alors, vendredi 29, peut-être que vous allez être dans les préparatifs du réveillon de Nouvel An. En tous les cas, moi, je vous souhaite déjà de très bons réveillons, n'est-ce pas? Avant de commencer, je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis la santé parfaite. Je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis la santé parfaite. Je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis la santé parfaite. Tout va bien. Et c'est avec l'archange Jérémie. Tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Waouh ! Tout va bien. Peut-être que certains d'entre vous, il arrive que ce qui a l'apparence d'un problème soit en réalité une prière exaucée, déguisée. Quand on demande de l'aide, n'est-ce pas? Eh bien, le ciel peut démanteler de vieilles structures pour faire place à du nouveau. Et, mais oui, pendant cette période de changement, eh bien, pratiquer des méthodes de relaxation, comme par exemple le yoga, la respiration profonde, la méditation, l'exercice physique. Pourquoi pas? Demandez au bel archange de rendre votre transition douce et harmonieuse pour tous ceux et celles qui sont concernés, et sachez que ce changement est pour le mieux. Faites appel à l'archange Jérémie. Il est là, il vous attend,
Il n'attend que vos demandes pour vous aider. Travaillez avec l'archange Jérémie. Chaque archange possède une aura de couleur déterminée. Et l'aura de Jérémie est le violet foncé de l'aubergine. Quand vous apercevez des scintillements de lumière violet foncé, eh bien, c'est un signe que Jérémie est à vos côtés. Donc, si vous voyez alentour de vous cette couleur violette, mauve, foncée, à aubergine, eh bien, dites-vous que l'archange Jérémie est à côté de vous. L'énergie de chaque archange est alignée à une variété particulière de cristal. Et le cristal de Jérémie est une améthyste. Vous savez, cette améthyste, elle peut recharger différentes pierres, n'est-ce pas? En portant une améthyste, vous pourrez vous sentir encore plus près de l'énergie douce, de cette belle énergie douce et aimante de Jérémie. Voilà, moi je vais vous dire, je ne vous cache pas, j'ai 4 améthystes chez moi de différents formats et je recharge des pierres hein, sur certains formats qui sont plus grands, donc je mets les pierres et sur l'améthyste et ça permet aux pierres de se recharger. Maintenant, vous pouvez l'avoir en pendentif, en bracelet, etc., etc., n'est-ce pas? Eh bien, voilà pour le dernier message, n'est-ce pas, de ce mois de décembre et de cette année. Tout va bien. Tout va bien pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Alors, mes petites prières pour guérir. Courage. Est-ce que vous pouvez retrouver le courage de vous battre contre la maladie? Est-ce que c'est dans vos cordes ça? Pouvez-vous accepter l'idée, eh bien, que votre corps a peut-être des difficultés d'auto-guérison? Si vous avez le courage de lui demander de collaborer. Le courage est-il de supporter la douleur ou de guérir? Posez-vous cette question. Et pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez le courage de demander de l'aide pour aller mieux? Ça peut être à votre ange gardien, à notre créateur, au maître ascensionné, à votre guide, ça peut être aux archanges. Est-ce que vous avez le courage de demander cette aide? Et pour d'autres, avez-vous le courage d'accepter de voir votre maladie comme un signal et pas comme une fatalité. Toutes des questions qu'il faut que vous vous posiez pour certains d'entre vous. Mais il y a des solutions, n'est-ce pas? Il y a la prière. Mes anges, merci de me donner le courage de préserver ma santé, de prendre soin de mon corps avec douceur et amour pour prévenir la maladie, de lutter contre mes maux avec la conviction que je vais guérir, de considérer que mon corps est un temple que je dois respecter et honorer. Vous allez répéter 3 fois, je suis le courage
je mérite le courage. Eh bien voilà, je termine sur j'ai le courage, je mérite le courage. Je vous souhaite, en tous les cas, un excellent réveillon de nouvel an, une très belle année, un réveillon avec votre famille, avec vos amis, dans la joie, la gaieté, et j'ai une pensée toute particulière, pour tous ces malades qui sont hospitalisés, pour les personnes âgées qui sont dans des iPad, qui n'ont plus de famille, qui sont seules, qui sont isolées, à tous ces enfants qui subissent la guerre, qui n'ont plus de famille. Je souhaite en tous les cas que la paix revienne sur terre et que nos gouvernants ne courent pas après le pouvoir, mais plutôt pouvoir aimer. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour tous les malades qui seront à l'hôpital, puis pour tout le monde, et puis j'espère que pour ma belle communauté que vous êtes, que vous passerez un très joli réveillon et que l'année, cette nouvelle année, sera propice dans l'amour, dans la joie, l'amour inconditionnel. Vous savez, il faut semer, même si c'est une goutte d'eau, à la longue, ça sera un océan. Donc semons, semons l'amour inconditionnel. Je vous souhaite un joli week-end. Je vous embrasse tout fort. Et on se retrouvera, eh bien, l'année prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et encore une fois, je vous embrasse tout fort. À très vite.